on va vous présenter ce qu'on appelle le Metsumi, qui est en fait l'ablation partielle de la chandelle, comme je viens de le dire, que l'on va appliquer sur des arbres qui ont tendance à pousser trop fort pour réduire leur force et pour surtout favoriser, on va dire, un peu le rebourgeonnement en arrière et surtout la densification. Ouais. J'avais réalisé avec Gaby Becker une vidéo concernant le pincement des chandelles. On avait déjà fait une première vidéo sur ce thème-là. Il y a le mien et puis tu vas me faire travailler sur d'autres. Ben ici, ouais, il y a quelques pins quand même sur lesquels on peut travailler. Alors des pins sylvestres et puis on va voir aussi le pin noir. Ouais. Si on a ce pin sylvestre que l'on a rempoté au mois de mars, ouais. Prélèvement de 2014, c'est un arbre qui est bien sympa. 2015, je crois, 2015 cet arbre. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs cas différents. Oui. Il y a des doubles, des triples, des longues seules. Alors il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Qu'est-ce que je dois enlever? Si je dois enlever sur trois chandelles, est-ce que je dois en enlever une ou deux? De combien je dois réduire la taille? On va voir ça en détail parce que ça c'est important. Il y a aussi de temps en temps des cas, mais là sur ton arbre, j'en vois pas beaucoup, des sacs à pollen ou alors des cônes. Ouais. Donc il faut aussi faire la différence avec ça et savoir ce que cela va donner en fait. On peut voir déjà qu'on a de très belles chandelles qui font 5 à 8 cm de hauteur pour certaines, donc quand même assez fortes. Ici, tu as vu Alexis, on a plusieurs départs, plusieurs chandelles. Au bout des branches. Sur le bout des branches. Et on voit que cette branche elle est très très longue et qu'il n'y a pas de végétation ici, tu vois. La végétation elle est concentrée sur le bord vraiment des branches. Et donc si on laisse ces chandelles tigées comme ça là, ça ne fait que de s'éloigner. Exactement, ça ne fait que ça. Et en plus la force elle est vraiment sur la pointe. Donc nous ce qu'on veut c'est réduire la force de ces branches. Enfin surtout on veut une densification. On peut constater aussi que sur cette branche là, on a des petits bourgeons derrière. Ouais. On a des chandelles latentes, on va dire, des toutes petites chandelles. Elles sont vraiment plus faibles. On peut constater que par rapport à celles qui sont en pointe... Il n'y a pas suffisamment d'énergie pour qu'elles se développent tout de suite. Exactement. Mais après le pincement, et c'est l'énergie qui était prévue pour les chandelles, elle va revenir... Elle va revenir en arrière, tu vois. Donc ce qu'il faut, elle n'est pas perdue, elle est simplement sur le... Elle est dans la branche, quoi. Sur la pointe de la branche. Et donc là, on va répartir vraiment l'énergie, on va la faire revenir en arrière. Pour au moins développer les chandelles faibles qui sont derrière. On peut constater que c'est quand même un arbre qui est assez jeune en pot. Il a 4 ans, c'est la quatrième année de culture dans le pot. Et donc on est sur un arbre qui n'a pas encore une grosse densification. Et donc on va travailler sur cette densification. Alors quand on a un départ avec deux chandelles comme ça sur un arbre de ce type, moi j'aime bien les garder. Par contre, je les réduis les deux. Ouais. Et je réduis souvent, alors bien sûr, bon là, on tombe sur un cas où c'est vraiment les deux chandelles identiques, mais par exemple sur celui-ci, sur cette chandelle-là, tu vois bien qu'il y en a une qui est plus petite que l'autre. Alors le but, c'est d'égaliser l'énergie des deux. Ça dépend de la grosseur. Ouais, voilà. Donc du coup, par exemple, pour cette branchette-là, tu vois, moi, je fais la longueur du pouce, tu vois, ça me fait à peu près 1,5 cm. Tu viens ici pincer avec le pouce et l'index, et tu tournes. Et tu enlèves la chandelle. Et là, la taille de la chandelle, est-ce qu'elle conditionne la taille aussi des aiguilles? Ou c'est juste lié à l'engrais, ça? Non, alors ça, c'est juste lié à l'engrais. Tu peux avoir une petite chandelle et des grosses aiguilles. Si tu as mis l'engrais avant que les chandelles commencent, l'arbre, il va prendre tout l'azote, surtout l'azote de l'engrais. Plus ses réserves. Et plus les réserves. Et quand il va démarrer en trombe, il va faire des grandes chandelles, généralement, et de très grosses aiguilles. On va sur la deuxième chandelle. Mais là, on va lui laisser un tout petit peu plus, tu vois, je mets le pouce un petit peu plus loin. Bon, c'est une question de répartition, et voilà, on se retrouve avec pratiquement deux chandelles identiques, on va dire. Alors, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retoucher ensuite. Par exemple, là, tu vas laisser tiger, ça va continuer à pousser. Et puis, si tu penses que c'est un peu trop long, tu peux revenir, repincer une nouvelle fois. Répartition d'énergie, quoi. Répartition d'énergie, tu comprends le principe, après Alors, bien sûr, tu as plein de cas différents. Parce que là, on voit par branche. Oui. Enfin, oui, là c'est sur une branche, mais par branche, il y a quand même des énergies vachement différentes, quoi. En haut, ça pousse fort, donc en bas, théoriquement, il n'y a pas forcément de pincement à faire, quoi. Alors, il faut se méfier de surtout pas perdre les branches du bas. Tu vois bien que cette branche basse, on peut constater qu'il n'y a pas énormément de chandelles qui sont fortes, du moins. Elles sont présentes, Ici, on en a une, vraiment, un exemple de chandelles qui sont à peu près fortes, mais elles font presque la moitié des chandelles qui sont sur le haut de l'arbre. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment moins d'énergie qui est apportée à cette branche. Alors, si on veut la préserver,
il va falloir travailler sur le haut de l'arbre et non pas sur le bas de l'arbre. Donc ici, on a le cas où on a le départ de trois chandelles à peu près au même endroit. C'est la branche basse. C'est vraiment la seule intervention qu'on va faire sur cette branche où on va venir enlever une des trois chandelles. On va garder les deux autres qui sont faibles. Alors pour enlever une chandelle, c'est assez simple. On prend avec le pouce et l'index et on vient vraiment doucement la casser et tourner un tout petit peu. Voilà. Et ça elle se vient coupe à la base. Ouais. Ça se coupe en fait à la base, c'est propre et ça arrache pas. Ce qu'il faut, c'est éviter d'arracher. Hein, donc on y va tout doucement et avec une petite vrille, tu vois. Ce qui fait qu'il reste les deux qui sont pas touchées, elles sont faibles, et elles vont prendre l'énergie de la grosse. Ici, on a le cas d'une branche qui est quand même assez fournie, qui est assez généreuse, on va dire, avec nous. On voit que sur les bords, là, tu vois, par exemple, sur cette branche-là, on a carrément 6 chandelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chandelles. On en a une très grosse sur la pointe. On en a des petites qui sont réparties un peu plus loin. Et on a surtout des toutes petites qui sont derrière. Celles-ci, là, elles vont mourir si jamais tu laisses vraiment tiger cette chandelle-là. Donc la première chose à faire sur l'ensemble, c'est de venir enlever cette chandelle ici. Donc là, on vrille et on tourne. Voilà. Il reste une aiguille, tu vois. Hop, voilà. Alors ce bout-là ne nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse, c'est surtout là. Là, on va vraiment... Alors il faut tenir la chandelle. Et là, on va venir pincer et tourner. Voilà. Celle-ci est encore un peu trop grande. Donc... pareil, on va venir la prendre avec le pouce et l'index, et de l'autre côté, pouce et index, et on tourne. Là, la répartition d'énergie sur ce petit rameau, il est fait. Et toutes les chandelles sont pratiquement à la même hauteur. Alors les petites faibles vont commencer à se développer. Et c'est intéressant pour nous parce qu'on va venir travailler sur la densification de l'arbre. Et éventuellement, ce qui nous intéresse, c'est de revenir en arrière. Donc toutes ces parties là, toutes ces parties longues, on va les enlever au profit de éventuellement que celle-ci à la fin, tu vois. Mais pour l'instant, on ne peut pas le faire. C'est un arbre qui est encore trop jeune pour qu'on puisse faire de la taille comme on va le faire à l'école, oui, si tu veux. Tu oui, sais, oui, c'est taille de si on coupe voilà. À ce niveau-là, oui. Sachant que la branche va s'arrêter là. Ouais. Ça va faire quoi? Ça va quand même pousser assez ben, fort. Ça va pousser, mais tu as un risque aussi que ça meure. Ouais. Parce que c'est un arbre qui est encore trop jeune, trop juste. Tu sais, le pin, c'est quand même délicat. Il vaut mieux prendre son temps et venir travailler doucement, quitte à prendre un an de plus, tu vois, pour le faire reprendre tranquillement. On a ici le même cas, en quelque sorte. On a trois chandelles. On enlève une chandelle en tournant. Voilà. Et ici, on a cette chandelle qui est un petit peu longue. Alors, c'est délicat. Il faut faire quand même très attention parce que tu peux facilement l'arracher, la chandelle. Hein, donc... voilà, et puis ici on pourrait réduire un tout petit peu. Voilà. Et du coup on se retrouve avec une, deux, et puis celle-là, là derrière, trois et éventuellement quatre, tu vois ici. Il y a vraiment des départs à l'intérieur de l'arbre, à l'intérieur de la branche. C'est très très intéressant ça. Et si on a le cas par exemple de cette petite branche où il y a plein de petits bourgeons latents derrière, tu vois, il y en a un ici sur le bout de mon doigt, il y en a un ici aussi. Et puis il y en a deux petits là, et cette chandelle qui est très grande. Donc là, il va falloir venir, pareil, pincer la chandelle pour la réduire, la calmer. Et là, les deux en latéral, ils sont complètement opposés là. Il y en a un qu'on supprime ou... Non, là franchement, pour l'instant, je te dis, on n'est pas... Alors, on serait sur un arbre un peu plus avancé, oui. On commencerait à vraiment sélectionner les bourgeons, quitte à en garder qu'un seul. Mais là, pour l'instant, je voudrais garder de la vigueur un peu partout. Surtout dans les branches, surtout ici, tu vois, par exemple, ces petits bourgeons-là, ils sont intéressants, quoi. S'ils peuvent se développer, eh bien, tant mieux, quoi. S'il peut y avoir du rebourgeonnement même ici, c'est génial. Donc on attend que ça pousse et éventuellement, on pourra pincer plus tard. Oui, ouais. On pourra revenir. De toute façon, le pincement, c'est quelque chose que tu vas faire... alors, la période du pincement, c'est fin avril, début mai. Et ça s'est réparti, c'est-à-dire qu'on va venir retravailler sur le pincement de ce pin-là dans deux ou trois semaines. Parce qu'il y aura d'autres chandelles qui vont peut-être repousser, qu'on n'aura pas vu, etc. Tu vois. Le pin, il a tendance comme ça à remonter naturellement. Tu vois, ça, c'est la position normale de la branche. Et tu vois que la chandelle, hop, elle remonte. Ce qui veut dire que quand tu ligatures ton pin, si tu le ligatures correctement, tu le ligatures toujours en faisant une petite boucle dessous pour venir remonter la chandelle. Comme ça, il n'aura pas besoin de dépenser l'énergie pour le faire. Puisque là, on voit qu'il dépense de l'énergie pour recourber sa chandelle pour le faire remonter, tu vois, pour la faire remonter. Ici, donc, on a trois chandelles devant, une derrière.
et on voit qu'elles sont pas très très fortes. Celle-ci est plus forte que les autres, donc on va la réduire. Pareil. Et ici, on va réduire celle-ci aussi un petit peu. Voilà. Tu vois, elle est un petit peu plus longue encore. Voilà. Ici, on a pareil, on a une chandelle qui est un peu plus forte que les autres. Donc, on va la calmer un petit peu. Voilà. Et là, on obtient déjà, tu vois, voilà, c'est ce type de ramification qu'on essaye d'avoir, quoi. Si déjà là, on a une ramification comme ça, c'est intéressant pour la suite du travail de ton pain, quoi. Alors ici, on a un cas un peu particulier d'une chandelle qui s'est dédoublée sur le bout. Bon, c'est particulier, alors, le pain fait ça de temps en temps, des fois ça peut même faire 3 ou 4 aussi. Donc tu as la chandelle nouvelle et puis ben, elle se dissocie. Tu peux avoir pareil sur le bout ici, 4 départs, 3 départs, ou alors tu peux carrément les avoir sur les pointes. Bon là, il n'y a rien de spécial, hein. Simplement on continue le même travail, c'est-à-dire on va venir pincer ici et vriller, enlever donc cette partie-là et répartir la force. Ici, on a aussi une petite chandelle qui est voilà, à sortir. Et là, on a à peu près la répartition de force correcte. Ouais, tu t'aperçois que sur les branches, tu vois, on a à peu près le même niveau, hein. Bon alors c'est pas au millimètre près, mais en gros on est à peu près au même niveau partout sur les deux branches. Si on regarde un petit peu plus haut cet arbre, on a ici des chandelles qui sont très longues. Donc sur les pointes, alors c'est pour l'instant c'est cas d'école, hein, parce qu'on a quand même que des chandelles en pointe, comme d'habitude. Hop, on les pince les deux et on vient. Voilà, et comme ça on a à peu près la même hauteur pour les deux. Voilà, et là on a nivelé tout le plateau. Tu vois? Alors ça, ça, tu sens que tu viens sur la zone, on va dire, de la tête de l'arbre, où déjà il y a plus de puissance et plus de force sur les chandelles. Donc là. Voilà, on vient sortir les chandelles qui sont trop fortes. Derrière, on va aussi la calmer. Voilà, et on obtient ce résultat. Voilà, les chandelles sont à peu près toutes pareilles. Alors ça se fait, c'est un travail qui se fait relativement vite, hein, quand on a un arbre qui n'est pas trop grand, on va dire. Après, c'est sûr qu'on commence à avoir des pièces assez grandes, et ben c'est de plus en plus long, quoi, bien entendu. Bon, là on voit que c'est relativement faible, le reste, donc pour l'instant, quelques petites chandelles à retoucher. Ah, ici tu vois, tu as le cas d'une chandelle qui est forte. Ici tu as une chandelle qui est forte, tu as une chandelle avec 3 aiguilles de ce côté, là il y en a 2 autres. Donc si on vient enlever cette chandelle là, ça peut être intéressant pour les 3 autres, mais c'est risqué parce qu'il n'y a pas assez d'aiguilles sur les 3 autres. Donc on va la réduire vraiment, vraiment fortement. Voilà. Comme ça, on a des départs partout. Et on voit comment ça évolue. On voit comment ça évolue. On a quand même beaucoup de matière végétale dessus. On a on a une chandelle derrière aussi, donc on risque pas grand chose. Pain sylvestre qui est différent, c'est un pain qui a une autre façon de pousser, je trouve. Alors déjà on a remarqué qu'il y a une couleur qui est un petit peu différente, et puis on peut constater sur là où il y a mes mains qu'il y a plusieurs cas qu'on n'a pas vu. Donc ici on a 3 chandelles, une chandelle qui est faible et 2 chandelles fortes avec au bout des cônes qui sont en train de se former,
Derrière ici, on a des chandelles qui sont particulières parce qu'elles repoussent sur elles-mêmes. Et on a même le développement de sacs à pollen. Alors le développement de sacs à pollen, ça pose vraiment un problème. Donc il faut les sortir délicatement. On peut le faire à la pince épilée. Là, je le fais au doigt tout doucement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a le développement de sacs à pollen, eh bien, il va y avoir un manque d'aiguilles à l'endroit du sac à pollen. Voilà. Et le bout du sac à pollen, ça va être l'endroit où la chandelle va se redévelopper à nouveau. Et toute la partie qui était recouverte par le sac à pollen, si tu l'enlèves là, ouais. Ça va quand même pas. Ici, là, tu vois, il n'y aura rien. Tout ça, c'est condamné. Ouais, c'est condamné. Tu perds un centimètre. Quand ça sera bien développé, tu vas perdre jusqu'à 3 cm. Donc ça, c'est carrément important. Si tu as du rebourgeonnement en arrière, alors ça, c'est un pain, bien sûr, qui a été rempoté cette année, donc on ne l'a pas fait encore. Mais moi, carrément, ben, j'évacue directement, je coupe la branche, quoi. Je coupe le petit rameau qu'il y a ici pour revenir sur des bourgeons latents derrière. C'est plus intéressant. Donc ici, on a un développement de 3 chandelles, avec une chandelle qui est forte et qui se développe aussi sur le bout, avec deux morceaux. Donc là, on va carrément l'enlever. Tu vois, je tire vers le bas. Voilà, il ne reste rien. Et sur les deux autres, on ne va pas toucher parce qu'elles sont vraiment petites. Donc là, pas de problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme cas ici? Pareil, on a une chandelle qui est petite et une autre qui est grosse avec un dédoublement de chandelle. Alors cet arbre, il est particulier, hein, il fait des dédoublements de chandelle sur le haut. Donc hop, on nivelle à peu près identique. Là, pour l'instant, on a 3 départs. 4 départs de chandelles, donc là je vais en éliminer au moins un déjà. Pourtant c'est petit, mais voilà, on va rester sur 3 départs différents à différentes étapes. Ici on a un cône avec une grande chandelle et au bout donc un cône, et ici on a une petite chandelle. On va venir niveler, voilà, pour avoir vraiment 2 chandelles identiques. Ici, tu vois, on a vraiment une chandelle qui est très particulière. Elle est unique, mais par contre, elle se dédouble, elle est en triple, carrément, voire quadruple. On dirait qu'il y a même une formation là aussi. Donc là, il va falloir la calmer. Et donc, je vais garder vraiment la hauteur de mon pouce et de mon index. Donc, tu vois, hop, je retire complètement. Voilà, tu vois, il reste vraiment ce petit centimètre. Derrière, je vois que j'ai du bourgeonnement en arrière. Ça va le favoriser, je pense. Parce que c'est un arbre qui est très très fort. Tu vois, cette chandelle ici, là, elle est vraiment très grande avec un cône. Voilà, donc celle-là, je la fais disparaître. Voilà. Au profit des 2 autres qui sont là. Et pour ce cas-là, on a 2 chandelles là, c'est bon. Et ici, on a une chandelle qui est très forte. Alors, je vérifie bien, mais oui, effectivement, j'ai 2 petites chandelles sur les côtés. Donc moi, je retire la grosse. Ici, tu as 3 départs sur le même endroit. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. En plus, c'est super serré. C'est très très serré. Donc on va déjà en enlever une, la plus grosse. Et les 2 autres sont petites, donc on ne va pas y toucher. Parce que c'est fragile. Là, si jamais je commence à les pincer, tu vois, elles sont trop petites. Il vaut mieux attendre qu'elles tigent et on reviendra sur, mettons, dans 2 semaines. Voir si le travail, on peut le refaire. Ici, encore un cas particulier, tu vois, tu as une petite chandelle qui s'est développée avec un cône, et puis après, tu as une énorme chandelle qui s'est développée, et au bout, il y a un cône, plusieurs départs d'autres chandelles. Donc ça, c'est vraiment le caractère un peu génétique de l'arbre, tu vois. C'est un cas particulier pour cet arbre-là. Donc, on va venir niveler au niveau de la première chandelle, le plus faible. Voilà, et comme ça, ça va me permettre de garder le fruit, hein, le cône ici. Je vais le garder parce que ça peut être sympa d'en avoir quand même quelques-uns. Et derrière, j'ai un peu le même cas où tu as une toute petite chandelle. Alors, on la voit pas. J'ai une toute petite chandelle ici. Et derrière, j'ai une grande avec un dédoublement. Donc pareil, je viens, je tourne. Et je nivelle mes 2 chandelles. Au départ, tu fais doucement et puis après, bah, tu y vas quand même plus rapidement. Ce qui est important, c'est de tout niveler, que ce soit, vraiment, on va dire, uniforme.
et toujours pour travailler sur la répartition des forces d'énergie de l'arbre. Quoi. Là, tu vois, tu as un développement encore de sac à pollen. En plus, tu vois, j'ai pas de. Alors, je suis en train d'essayer de les enlever tout doucement, mais j'ai pas de chandelle qui s'est développée en dessous. Alors, ici, un départ peut-être. Bon, bref, on enlève les sacs à pollen. Mais tu vois, ça dénude complètement cette partie-là. Donc, elle est pratiquement perdue, c'est dommage. Ici, on a un paquet de 4. On voit bien qu'il y a 3 petites chandelles qui sont de différentes tailles. On en voit une petite, une moyenne derrière, là, sur mon pouce. Et une un peu plus grande encore. Donc, déjà, on va enlever la première, la grande. Voilà. Et puis, on va enlever aussi la moyenne qui est ici. Et on va pas toucher aux deux autres. Les deux autres, elles vont se développer. Et on viendra peut-être travailler sur la hauteur, mais d'ici 2 à 3 semaines. Pour finir sur cet arbre, on a encore le développement d'une chandelle particulière avec 1, 2, 3, 4 bourgeonnements sur les côtés et une chandelle vraiment qui se développe encore en au-dessus. Donc là, on vient enlever. Et on va voir, on va laisser se développer tout ça, on va voir ce que ça va faire. On est à la limite du balai de sorcière, donc voilà. J'aime beaucoup parce qu'il est très dense déjà, alors que c'est un arbre que j'ai pas encore travaillé. Là on est sur un pin noir, c'est un pin qui appartient à Nico. Il me l'a laissé là parce qu'il est un petit peu en convalescence. D'ailleurs je lui fais un petit coucou, je l'embrasse, j'espère qu'il va bien vite se rétablir. Donc c'est un arbre qui pousse très fortement en ce moment, pin noir. Donc généralement le pin noir par rapport au pin sylvestre qu'on a vu précédemment, il va faire un gros bourgeonnement très fort. C'est rare quand il fait 2 chandelles et 3 chandelles, franchement c'est exceptionnel. On se retrouve avec des tiges qui peuvent faire jusqu'à 20 cm de haut, là elles font à peu près 10 cm. Il va falloir vraiment fortement les réduire. Même principe. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'en fait on a les aiguilles qui se sont développées sur le haut de la chandelle, ouais. Et sur le bas de la chandelle, comme s'il y avait eu des sacs à pollen, il y a pratiquement rien. Donc il va falloir réduire au niveau de la chandelle où il y a la présence des aiguilles. Quoi. Ouais. Si on réduit trop, on enlève toute la chandelle. À moins que tu aies des chandelles bien sûr qui se développent en arrière. Ce pain, on peut constater déjà que les aiguilles sont bien plus grandes que le pain sylvestre. Ouais. On peut les réduire bien sûr. Généralement les Japonais ils les taillent quand ils les présentent en exposition parce que ça reste quand même assez grand. Pour imager on va dire les propos que je viens de dire tout à l'heure, on voit une chandelle du pin noir. On voit que sur le début de la chandelle, il n'y a pas d'aiguille. Il n'y a pas de présence d'aiguille, c'est lisse. Et ensuite, le développement des aiguilles se fait à partir, tu vois, de ces 2 cm là, on commence à avoir des aiguilles. Jusque vraiment le haut, le sommet de la chandelle. Donc si tu réduis ici, le pain il va carrément pas avoir d'aiguille. Là donc il faut faire très très attention. Alors avec ce pain là il est très fort, tu as la possibilité de carrément couper la chandelle, mais qu'il va falloir faire un petit peu plus tard, donc le mekiri. Hein. Et dans ce cas là ça va favoriser le rebourgeonnement en arrière. Alors ça c'est une technique que pratiquent les Japonais, hein. Sur ce pain là ça marche très bien parce que c'est un arbre très fort. Nous ici on va faire le Metsumi, c'est-à-dire on va venir prendre la chandelle et la réduire de moitié. Alors c'est une chandelle qui est un petit peu plus forte, qui est un peu plus grosse. Voilà. Elle se casse aussi. L'avantage de cette technique c'est qu'on va avoir les aiguilles qui seront toutes de la même taille. Donc ici on a le cas exceptionnel on va dire où il y a 3 départs, une chandelle très forte et 2 petites. Donc nous, on va venir enlever la grande chandelle qui est ici. Donc ici, on fait le levier, on retient au cas où. Voilà. Et tu vois, elle casse net au profit des 2 autres qui sont ici et ici. Et je peux te dire que ces deux-là, on peut revenir dans 2 semaines, elles vont devenir très grandes. Et ici, on peut voir le développement d'une grande chandelle et d'une toute petite à côté. Alors le problème c'est que cette chandelle là on l'a laissée trop se développer, elle est vraiment trop grande maintenant et donc il va falloir au minimum la réduire pour favoriser le développement de celle-ci, mais même si on la réduit ici tu comprends bien, tu vois, on va laisser quand même 5 cm, ça fait fort, ça c'est beaucoup. Donc moi j'ai tendance à vraiment la réduire jusqu'au bas des aiguilles, tu vois, ici, là, voilà.
Donc au maximum, on aura cette hauteur. Il va rester une ou deux rangées. Quoi, voilà, il va rester une ou deux rangées. Ouais. Et de l'autre côté, on aura celle-ci qui risque de se développer fortement. On pourra venir, si elle se développe un petit peu, quitte à l'enlever, tu vois. Ouais. Presque l'enlever. Ici, on a une petite chandelle. Vraiment un petit bout ici. Et ici, une autre petite. Donc, on va la réduire aussi. Ben, ça, c'est le cas, tu vois, où il y a des chandelles qui sont quand même relativement moyennes. Sont pas très développés encore. Là, on sent que tu vois, celle-là va devenir très forte et celle-là, elle est encore faible. Donc, on peut venir déjà la travailler, voilà, la réduire et au moins avoir les deux de même hauteur. Ça permet comme ça au moins de faire une première sélection. Mais du coup, a priori, les pins noirs, c'est peut-être à faire plus tôt que les pins sylvestres, en fait. A priori, oui, parce que ils vont pousser trop fortement. Et une fois que la chambre, voilà, la zone, ouais. Tu vois, ici, on n'a pas le trou que nous avions sur une autre branche tout à l'heure. On a les aiguilles qui sont vraiment proches de la jonction. Il faut le faire plus tôt. Bon, ben voilà, une fois que tu as compris le principe, c'est toujours pareil sur le pin noir également. Donc, on vient niveler l'ensemble des chandelles. Alors, c'est vite fait parce que je trouve qu'il y a. Bon, bien sûr, c'est un arbre qui est beaucoup plus petit. Mais il n'y a pas autant de bourgeons et de chandelles qu'il pourrait y en avoir sur un pin sylvestre. Mm. Donc tu vois, c'est assez rapide en fait, hein, ce travail. Alors c'est quelque chose qu'on pourra revenir travailler une fois que les chandelles se seront complètement développées. Tu vois la différence de longueur entre celle-ci et celle-ci. Tu vois, celle-ci est ratée en fait. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est un peu trop long. C'est un peu trop tard. On en a fini avec cette petite vidéo consacrée aux chandelles sur les pins. Ouais, une bonne séance de travail. On t'en a encore 20 autres à faire, mais ben voilà, c'est ça, moi je vais devoir te laisser tout seul. Hein. Parce que pincer les chandelles, c'est cool, mais en fait c'est intéressant dans la phase d'apprentissage. Par contre après, le côté, il faut le faire régulièrement, chaque année et tout. Ouais. Quand on a beaucoup d'armes, ça peut devenir pénible, je pense. On imagine Gabi en train de travailler sur ses pins sylvestres, sa centaine de pins sylvestres, et là forcément ça peut être rébarbatif, ça peut être un peu long. Alors c'est un travail qu'il faut faire chaque année en plus. Hein. C'est ça que je me demandais, si jamais il y a une année où on ne le fait pas. Eh ben, tu vas te retrouver avec des longueurs un petit peu disgracieuses. Alors c'est pas grave sur des pins de culture, mais sur des pins que tu as travaillé qui sont qui ont la bonne envergure. Voilà. Ceux-là, tu vas les laisser partir, ça peut poser problème. Donc tu rectifieras le problème en fait plutôt par la taille. Ouais. Du coup, le pincement c'est terminé. Ben, c'est ce qu'on avait vu par exemple sur Goliath où vraiment il a laissé un peu pousser son arbre et donc il était revenu vraiment en arrière. Là, nous, on a des pins qui sont en phase de culture. On les a pas encore travaillés, ce qui permet quand même déjà de vraiment les pincer pour les densifier. Mais en trois saisons, on va dire deux ou trois saisons, donc ça représente 2-3 ans de travail, on va dire, tu as vraiment une densification qui se fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question, je ne manquerai pas de vous répondre. N'oubliez pas de liker, de partager, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Puis allez faire un tour sur la chaîne de Alexis. Alexis fait des bonsaïs. On te retrouve encore pendant quelques semaines. Ouais, après c'est les vacances. Après c'est les vacances, on aura une pause. Moi aussi ce sera la pause estivale, on reprendra en septembre. Ouais. Et apparemment, on te croisera dans un jardin désormais. Ouais, il y a un déménagement de prévu. Ouais. Donc ça c'est bien. Donc, ça. Donc des arbres aussi. Ouais. Ça prévoit des belles choses. Ouais. Je pourrais venir pincer les chandelles chez toi quoi. Ouais, et puis m'aider à transporter les bonsaïs aussi. Ah, ouais. Ça pourrait être sympa. Ouais. Allez, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao. Au revoir. Bon, là nous avons donc ton arbre, ton pin sylvestre qui a bien repris. Il a été rempoté donc au mois de mars. Ouais. Je vais arrêter de dire donc. C'est pas bon. Donc, ouais, c'est chiant aussi. Donc. Putain, à chaque créneau de phrase, donc. Jingle, t'es parti. Merde, j'aurais dû faire le. Allez, c'est parti, jingle. Non. Ah, le boulet quoi. Il y aura du bêtisier. Ouais, il y aura du bêtisier. Et puis, est-ce que tu as des questions? On commence quand? On va commencer tout de suite. Hein. On va se rapprocher sur certaines zones. Ah, t'es... Ouais. Bien donc, voilà. Encore, mais par contre. Je suis là, ouais, non, mais là je peux pas. Qu'est-ce qu'il dit? Je peux plus. Est-ce que t'as compris? Ou est-ce que tu veux que je l'explique, Alexis? Heureusement, j'avais déjà compris parce que toi c'est pas très clair. Non, mais ça te coupe.
une technique que tu pratiques depuis combien de temps, Alexis, toi? Ah là, c'est la deuxième fois, là. Ah non, non. Chez Gabi, on l'a fait. Troisième fois. Chez Gabi, tu l'as fait l'année dernière? On n'avait pas fait... Ouais, non, on a fait des aiguillages. Non, t'as raison. Non, je l'ai fait une fois sur mon pain. Et là, c'est... Là, tu m'invites à compléter mon expérience. Tu veux dire qu'en fait, tu voulais mentir à la caméra, c'est ça? Non. J'ai jamais dit que je voilà. Et alors, j'ai ouï dire que bientôt, tu vas avoir un jardin. Oui. Et ça aussi, il faut que je l'annonce en vidéo, ouais, mais... Ouais. Ça risque d'être intéressant. Ouais. Je serai invité, on pourra faire un barbecue de place. Je t'inviterai pour pincer les chandelles.